Bon, 9 mars au chantier, je viens d'arriver et je viens de remarquer que j'avais encore eu des problèmes avec la grêle. C'est de la merde. Quoi ? J'avais déjà fait une vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, à propos de la grêle et du Stucanet. Alors juste avant de vous montrer comment ce que je viens de découvrir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. En cliquant sur le petit bouton s'abonner. Alors... c'est simple, vous allez voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est clos. Bon, bah déjà là, dans le couloir, là, tout le dessus, on voit bien, hein. On le regardera par en dessous tout à l'heure, mais tout le couloir a été déniappé. Là-bas, dans la cuisine aussi, là-bas, là, déniappé. Un peu partout, quoi. Donc le Stucanet, c'est bien. Super souple, mais faut le mettre en place très rapidement, quoi. Faut pas attendre, là j'ai trop attendu. Là, je vais même pas y aller. Oh là là. Là, j'avais mis... Regardez. Ah, c'est clair, hein. Il n'y a plus rien. Là, il y a plein de petits morceaux par terre. Bon, c'est vrai qu'il a fait une tempête, hein. Bon là, il n'y en a plus là. Hop, tout là. Comment je vais rattraper ça? Bon bah là par terre, il y en a plein. Et puis là, voilà. Partout par terre. Des confettis. Confetti, non, on dit. Confetti, on ne dit pas confetti. Confetti, regardez, partout par terre. Là, c'est tout. Il va falloir tout enlever, quoi. Je crois que je vais changer de coffrage perdu. Pourtant, le Stucanet était utilisé par Antonio. Il était utilisé également par Chaneac. Qui est-ce qu'il avait utilisé aussi? Je me rappelle plus. Alors là, dans le couloir, regardez, hein, tout le dessus là. Tout du long. On fait pas de détails. Il y en a partout. Bon, c'est pas top. Bon, là, ça va, il n'y en avait pas. Alors, sachant que le Stucanet, le Nergalto, le Lati, c'est à peu près le même prix au mètre carré. Hein. C'est entre 5 et 10 euros le mètre carré. Donc, j'ai essayé un petit peu tout. Alors, il y en a un qui est pas mal, qui est le Nergalto papier. Ben, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu, le bouton j'aime. Vous pouvez la partager. Moi, m'a pas plu du tout parce que... C'est pas fini ce bordel! C'est le bordel. C'est pas fini ce bordel! On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Je vais aller voir s'il y a un petit peu de dégâts ailleurs. Apparemment, non. Bon, coffrage de bétonnière, tout ça, c'est bon. Et là-bas, c'est bon aussi, donc... Va falloir que je me mette à bétonner rapidement. C'est pas fini ce bordel !